feels like a scene in a movie. It does make a striking image. Aesthetically speaking, it's not bad at all. I just heard a growl. Apologies. That was my stomach. Allez, on va commencer le live. On s'étire. On étire à tout ce qu'il y a à étirer. Je sais que ta cible n'est pas dans cette aire, elle est dans l'air d'en dessous ou dans l'air d'au-dessus. Et bonjour à tous, bienvenue sur Back à Live, le live où on fait du Persona et du Persona 5. Hier nous sommes arrivés dans le Memento à la recherche de cibles et aujourd'hui on va finir le Memento à la recherche des cibles. Il ne reste qu'une cible à parcourir et elle est là. Je vous dirais bien que je n'ai pas farmé depuis hier, mais ce serait beau. Is it just me? On va commencer directement par un gros combat. Parce qu'on aime les gros combats. Enfin, un petit gros combat. But... Now then. Quoi? Il y a un foyer qui tue les champs? What? Ah, unbelievable. Je connais pas celui-là. La lumière. Deux finishes en une vague.
go there or what? Ah mais il tape des chats, j'allais pas le laisser faire quand même. What the hell? It's me. My name is L. Parce que le nom de mon personnage c'est L. What the hell? Eh oui c'est moi. Est-ce que vous allez me tuer? On devrait. Les chats se font tuer à faute de toi. Est-ce que tu comprends maintenant? Je suis désolé. Qu'est-ce que je devrais faire? Rappelle-toi toutes ces choses horribles que tu as fait aux chats. Est-ce que cela ne te fait pas te sentir horriblement mal? J'ai fait des choses terribles. Pire que un animal. Je suis une merde. Je te dis pas d'abandonner ta vie, mais il faut que tu te sentes coupable pour le reste de tes jours. Oh, une arme pour le chat. On a rempli toutes nos missions. Blood Cimeter. Elle est largement mieux. Faisons un tour dans la Velvet Room. Et on a besoin de quelque chose. How goes the rehabilitation? Et bah pas terrible en fait. Tu vois, ce qu'il me faudrait actuellement. C'est un Macami. You'd like to read the compendium. You want to register? Are you sure? Time for some rehab. You wish to perfusion. Ah, j'en ai deux, trois quand même. Let us begin the search. J'ai noté quoi? Un Macami. You can't handle this. Will this truly help you? Quoi? Ça et ça pour ça? Mais je vais aller en chercher, ça nous coûtera moins cher. Excessive power only leads to destruction. Will this truly help? Choose the inherent. It will receive significant power. Now for a rebirth.
Will this truly help select the skills you'd like to inherit? Its power will be nothing. My. Je fais des fusions parce que je sens que mon pouvoir avec Igor augmente plus vite quand je fais des fusions. Je peux me tromper, mais au pire, bah. Au pire. On aura fait des tests. Let us begin the search. Regardez. Will this truly help you? Non. Choose the inherited skills, inmate. Choose the inherited skills, inmate. It will receive a fraction of now for a rebirth. You okay with this? Choose the inherited skills, inmate. Select the skills you'd like to inherit. It will receive significant power. Then let us begin. C'est bizarre, d'habitude j'arrive pas à les refaire directement même. On va pas se plaindre, hein. Ça augmente la collection. Ah mais ça par contre j'en ai plus besoin. Mais il a pas de disperse. Peut pas faire mieux. Plus sinon. Can you gather them up? They will be reborn anew. I see. It will become a weapon. Are you finished? It is time, inmate. It is time, inmate. Salut les copains. J'étais pas du tout debout devant le mur à regarder le mur, hein. Je suis pas du tout comme ça, je suis pas quelqu'un qui apprécie les murs à ce point là. Je vais juste allumer la lumière par Allez, quittons le... Retournons dans le monde réel. Nous n'aurons pas découvert de nouvelles zones, mais on n'avait pas débloqué la nouvelle zone. You're back. Hey.
Tu es trop fatigué, tu devrais aller te coucher. Bon, est-ce qu'on fait Ryuji ou est-ce qu'on fait Anne? Pas Ryuji, d'ailleurs. Est-ce qu'on fait Yusuke, qui est niveau 5? Anne qui est niveau 6. Ah, Fire Yuzuki, il est niveau 5. Hein. Young Enjoy, Young Enjoy. Mais d'abord, on va passer au magasin. Parce que le magasin, c'est mieux. Good. That's what you're choosing? You better not use it to pull a prank. That one? Don't break it, okay? That's what you're choosing. How's that? That one? You like it? You better not use it to pull a prank. That will don't break it, okay? All right, which one? Thank you.
regarde les équipements, j'ai largement mieux que ce qu'ils portent tous, et en plus je les ai. Qu'est-ce que je fous? Come again. J'ai l'impression que c'est une machine à merde en fait. À chaque fois qu'il y a une ration qui tombe, ça dit ça pue, ça colle. Arrêtez de dire what the hell, c'est moi elle, c'est bon. Welcome. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je joue, je gagne en fait. Je peux me tromper. Moi aussi je peux pas attendre de voir ce que les fantômes, les voleurs fantômes vont finir par faire. Shibuya. Shibuya. Je croyais que Suzuki elle était dans le coin. Est-ce que je me serais trompé? Ma mémoire serait-elle défaillante? Ah ouais, il était juste à côté de là où j'étais. By the way. I see. By the way. I see. Qu'est-ce que je peux faire d'autre de toute façon? Allez, passons un peu de temps avec Yuzuki. Wow.
Shall we return home? Les Sims, Kaz. Comment tu vas? Est-ce que tu passes une bonne journée, mon ami? Ah, j'ai une discussion avec... Eh ben moi ça va bien. J'ai une discussion avec un mec sur le net qui m'assurait que ce que je lui expliquais ça ressemblait aux Sims. Du coup voilà, les Sims. Avec de la musique, des graphistes, et une histoire, et du gameplay, les Sims quoi. Hey, salut à Lucas, bienvenue sur le live. Arrête, ça a été paramétré à la ZOB, on voit tout le fond vert, regarde. C'est dégueulasse. Ah, je manque de lumière. Faut que je règle le problème. C'est ça. Non, je me suis lavé. Ouais, j'essaie de draguer la prof en fait. Bam, bam, bam. Parce que comme je suis dans les Sims, il faut que je réussisse à draguer tous les autres Sims du village. Comme ça, je me marie avec eux petit à petit, et après je les enferme dans une pièce pour récupérer l'héritage. Et quand ils sont morts, je les enterre dans le jardin. À côté de la piscine. T'as vu, j'ai une piscine, la richesse quoi. J'ai un appartement que je loue et j'ai une piscine. Si seulement, je pense que vous me verriez pas souvent en live. En tout cas, c'est comme ça que je jouais aux Sims. Hein. Et j'étais un petit peu un criminel dans les Sims. Hein. Nice.
D'ailleurs, ça devenait chiant au bout d'un moment parce que quand t'as tué trop de gens en live depuis, c'est grâce à la YouTube Money. Mais ouais, mais c'est tout grâce à la YouTube Money, vous imaginez même pas. D'ailleurs, dans les cibles, ce qui était chiant, c'est qu'au bout d'un moment, et ben si tu laisses les tombes dehors, et ben les gens ils reviennent en tant que fantôme, et après ton Sims il est tout paniqué. Les fantômes c'est cool. Ouais, mais dans les Sims c'est pas cool en fait. Et puis ça devient dur de draguer une fille quand il y a des fantômes dans ta maison. Bah finalement tu finissais par vendre l'urne. Ou l'acheter, je sais plus ce qu'il fallait faire. Je sais qu'il y avait un moyen de s'en débarrasser, je sais plus si c'était la vendre ou juste la supprimer dans le mode éditeur en fait. Parce que moi au début j'enterrais quand même mes crimes dans le jardin quoi. Please head to the exam room. I see. Why do you have such a serious... Oh, did you... Here you go. This will work well. Thanks. It's exceptional. Here you go. Après on pouvait acheter la mort et les retuer. Ouais mais ça vaut pas le coup. Parce que du coup moi je faisais ça pour l'argent. Du coup si je suis obligé de payer pour les ranimer et après les retuer, ça vaut pas le coup. Pour l'argent, je l'ai tué au travail. Ouais, mais moi, mon Sims, il avait pas le temps de travailler, il fallait qu'il s'entraîne pour devenir plus beau. Donc voilà quoi. Tu les envoies ça, les malheureux. Et après, il sautait par la fenêtre. Pardon, on ne rigole pas des choses sérieuses de la vie. Hey, bonjour à toi, Archrum. Archrum. Hachum. Désolé, je n'aurais pas dû la faire. J'espère que tu vas bien cet après-midi. J'espère que tu passeras un bon moment parmi nous. Royal Aori, Patron Hunter, Bookkeeper Wrap. Let's head back. Ta 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 ta. J'ai encore plein de t-shirts à nettoyer en fait. Comment va Futaba? Je suis un peu inquiet à ce sujet. Mec, ne dis pas des trucs comme ça, la date de fin c'est demain.
Si Futaba se ne réveille pas d'ici là. Ouais, ça va, Kasu. Je voulais pas te laisser dans le vent quand même parce que ça fait pas terrible. Et peut-elle faire quelque chose même si elle surveille? Franchement, j'en suis pas sûr. De toute façon, notre seule option c'est de mettre toute notre confiance en elle. C'est vrai. Oui. Après tout, si elle dort depuis tant de temps, c'est qu'elle doit avoir certains rêves. Toujours là pour aider. Bien sûr qu'on va la rappeler, mais d'abord on va lire ce qu'elle nous dit. Leave it to me. Il faut qu'on aille voir Mishima. Je pense qu'on va finir avec une relation gay avec Mishima. Vu le temps qu'on passe avec lui. Come on, let's get going. Sorry. C'est quoi tes horaires de stream? Je sais pas, je pense que je vais m'arrêter vers 18h et je vais reprendre vers 20h à peu près. Et puis après j'irai jusqu'à minuit, 1h du matin. Et demain, je dois faire du Ghost Recon avec un gros con dans l'après-midi, mais sinon, j'ai rien de prévu. Je crois. Ah, c'est parce que je te l'ai pas dit, je crois. Ou alors c'est avec toi, je sais plus. Je me rappelle plus. Je suis perdu. On en a parlé hier, je te rappelle.
Ouais bah ça va, j'ai pas eu d'enfance. Ah je la ferai plus, j'ai promis que j'arrêterai de la faire. Ah et là il va courir dans sa salle de bain pour se passer la douche sur la tête. Pendant que son fond vert réapparaît petit à petit. Vu qu'il y a de la lumière qui apparaît chez moi. Maintenant je brille, je scintille de vert les amis. T'as vu, il réapparaît, c'est parce qu'il y a un début de lumière là qui rentre chez moi parce qu'il y a des nuages qui sont fonds. C'est trop nul. Du coup, je suis obligé d'ajuster ça à la zone. Hop. Du coup, mon aura de super-héros augmente et diminue petit à petit. Nous sommes maintenant level 8. On va bientôt pouvoir commencer à coucher avec Mishima. Ok Kazuo, je te remercie. N'hésite pas à me recontacter pour le début de la mission. On se dit 14h heure du Pacifique en Grande-Bretagne au niveau de l'Outre-mer. Et surtout, n'oublie pas, le plus important dans la vie, c'est de faire de la moto et de tuer des gens. C'était mon message personnel de Ghost Recon. A bientôt les studios. Bonne soirée mon Kaz et bon courage. Mais c'est un petit nounours. Non, c'est un gros nounours. Mais c'est vrai que je suis un nounours. Et rebonjour Arche. Oh. Well, see you later. Le jour J, qu'est-ce qui va se passer? Et là, il se passe rien. Isn't today our deadline for dealing with Medjed? Futaba's still asleep too. This. Hey. There's something I came to. Today's the day Wakaba passed. I do this every year.
Here, I've got a cup for you too. Futaba reminds me so much of her mother. She's a smart girl. Doesn't just go with the flow either. Wakaba, your work and your kid were so fulfilling for you. Why'd you have to die so suddenly? That reminds me. You saw me talking to that prosecutor. I mean, that woman in the suit, right? I remember you were real bothered by it. She might come back, so I guess I should tell you about it. That woman was trying to get information on Wakaba's research out of me. That's what we heard in the palace. You don't need to know what the research was about. Just know there was some trouble around it. Obviously, Wakaba got dragged into that as well. Now, they ruled her death a suicide. And I've got my doubts. Doubts? Could she have been killed? Supposedly, there were people who wanted to take her research and use it for their own benefit. Il vient de répondre au chat. Il vient de répondre au chat. Ça veut dire qu'il l'entend. Don't get me wrong, though. I don't have a lick of evidence. That's why I haven't told Futaba any of this. I don't want to cause her any more trouble. It sounded like she had suspicions of her own based on what she said in the palace. Still, there's one thing I regret. It was right before Wakaba died. She told me, I think I might die. I brushed it off, thinking it was just a joke. But if I had just taken her seriously... That's another reason I took Futaba in. Redemption. She went through such horrible things. Those heartless adults just yelled at the poor girl. Hey, how do you heal emotional scars? Avec du temps et de l'amour. For it to happen, but... C'est le moment émotion en effet, Arc. Futaba. Elle est carrément sortie de chez elle. Non, faut mettre une jupe. It's cold. You can't sell this. Never mind that, but... How did you get here? Avec ses pieds, elle a marché dans la rue. Le truc c'est de faire avancer le pied gauche, après le pied droit, après le pied gauche. Vous pouvez faire la variante aussi, vous pouvez faire avancer le pied droit, après le pied gauche. C'est comme vous vous sentez, mais... I walked. You're okay? Was that bad? Je dis ça, mais j'ai les larmes aux yeux, hein. ça me rend triste. Ça me rend heureux en fait. C'est bizarre comme on est heureux et on pleure quand même. That's not it. I'm just shocked to see you out of the house. Oh, elle va mieux, la petite. I'm sorry I worried you. Et son café, il peut pas être froid parce qu'il y a de la fumée qui sort de la tasse. Et si le café fume, et ben il est chaud. By the way, what's the date today? It's the 21st. Elle est très mimi, ouais. I feel like I'm forgetting something. Je sais, le nettoyage. Oh, I remember now, Majed. Let's take care of it now. Come. Occupons-nous-en maintenant. Allez, viens. Eh, mais j'avais pas encore accès à la jeune fille, donc on pouvait pas encore la draguer. Mais vous inquiétez pas, on va s'y atteler. Hein. Moi, elle est rousse, ça fait pas beaucoup. Mais c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup chez une femme. Donc vous inquiétez pas, on va bientôt s'atteler à draguer la nouvelle.
it's my turn to help out. Medjed. Now how do we cook them? Roger that. Hey GG pour ton level 12. Hey Futaba, we don't have much time left. Are you sure you could do this? The kitty top? Is this a dream? I'm going back to sleep. It is not a dream! Get up! Say something! Right. Now hurry it up! I guess it doesn't matter. Let's get cracking. You're just tapping away over there. Are you sure this will... Hey, Futaba! I don't think she can hear me. Talk about intense concentration. This place is so messy. Futaba, you should really clean... Je suis d'accord. Par contre, on devrait le faire pendant qu'elle fait son truc. Après, tu n'aurais pas besoin de nous. Just waiting around is boring. Let's clean the place up. C'est une bonne idée. It looks a little better now, don't you think? Eh bah bon stream moi Alucard. N'hésitez pas à aller voir Alucard. Alucard nous fait en ce moment du Let It Die. J'ai envie de dire pas en ce moment parce qu'en fait il le fait depuis un moment. C'est un très bon joueur, il est pas mal loin dans le jeu. Donc n'hésitez pas à aller le voir, peut-être qu'il finira au bout du labyrinthe un jour. Well Futaba, we're done on our end. Are you finished? She can't hear a word I'm saying. We'll just have to keep waiting. I'm done! J'adore son t-shirt. What's up? Something happened? J'ai pas de t-shirt Tetris en y pensant. It's finished. Même moi, je ne fais pas autant de pubs. Non, y a pas de souci, Lucard. De toute façon, je te dirais bien, je fais vraiment de la pub, mais je crois qu'on est deux sur le live. Finished? What is? It's so clean. Why? Oh, c'est si propre. Pourquoi? We cleaned it. On a fait le ménage. Anyway, is it true? Did you really take care of Medjed? I handled them, and someone else handled my room. Avec plaisir. Et à bientôt, Alucard. Courage sur les Tidai. I don't understand, but this is good. Futaba? Hey, Futaba, what's wrong? She's sleeping. Well, it looks like it's been taken care of. I guess we should get home and sleep too. Il devrait y avoir un gros tas d'ordures sur le chemin et donc plus personne ne devrait pouvoir passer.
Du coup, maintenant, je me demande pourquoi il m'a pris moi, en fait. Hey, GG pour ton level 1. Parce qu'il y a certainement une raison pour laquelle le boss m'a pris. So you're finally up, huh? Don't slack off just because you're on summer vacation. Yo, you look tired. We've made ourselves at home. Late last night, it was discovered that someone has tampered with the hacker group Medjid's website. The site's main page now displays what is thought to be the mark belonging to the Phantom Thieves. More so, the personal information of a Japanese man, a possible Medjid member, was illegally publicized. Aren't these the guys people have been up in arms about? Medjid has yet to issue an official reply. Furthermore, their previously announced cleanse of Japan has remained unimplemented. Some speculate that they have taken this series of events seriously and ultimately canceled their plan. Yes! What are you all smirking about? Well, stop it. You're gonna drive away all my customers. After the commercial break, we will be asking guests from various fields about this turn of a... But there ain't any customer. Can it? My customers are on summer vacation, too. Oh, crap! I just realized our break's almost over! There are still 10 days left. I want to go somewhere, but we can't just leave Futaba-chan. Some things still concern me, too. Like that research. Oh, did you just get up? Good morning. It seems she's cautious of us. Hey, why don't we go upstairs? If any customers come, she'll be even more afraid. Why don't you go with them, Futaba? It's about time my regulars show up anyway, so I don't want you guys loitering around my store. The fact that there were no damages due to the hacker's actions is but an afterthought. The issue I want to make clear is the attitude of the police, and more importantly, the government. What do you mean? Are they doing their best to find an effective countermeasure against these Phantom Thieves? Is it not the government's duty to create a society where its citizens can live without worry? Unfortunately, the current cabinet is powerless. As such, they should be disbanded. Je m'en doute, ouais, t'as vraiment envie de prendre leur place. I believe now is the time for me to risk my political career in hope of making a new reality. Ça a vraiment l'air d'être un fils de... A new political system that goes beyond parties or factions. An ideal country of peace and order. This politician seems quite promising. Plus c'est gros, plus ça passe, comme on dit. I have to agree. I hope he can work to ease the anxieties of the elderly. What do you think, boss? Je pense que c'est un fils de... Oh, sorry. I wasn't listening. Et c'est comme ça qu'on s'est occupé. C'est ça, Arch. C'est comme ça que ça marche en politique. Les autres ne réussiront pas. Regardez ce qu'ils font. So the Phantom Moi, j'en réussirai. Stole the heart of Futaba Sakura. And Medjid was in turn defeated by her real-world hacking abilities? This does correlate to the facts as we know them. If he's telling the truth, then Wakaba Ishiki didn't commit suicide. Did a third party target her life with the goal of destroying her research? Wakaba's death was 2 years ago. That also coincides with when the incident started occurring. Does this other metaverse user that Madarame and Kaneshiro mentioned really exist?
Earlier, I briefly mentioned about those psychotic breakdown incidents that have alarmed the public. All of a sudden, people will lose consciousness or become violent. A situation as incomprehensible as that can't be explained away as troubled social conditions. I suspect that these cases are all connected to a larger man-made plot. Moi aussi. Je pense que c'est le prochain Premier ministre qui a fait ça d'ailleurs. The method involved always muddled the explication, but your story has virtually confirmed its viability. Although I wouldn't have expected a new criminal to come to light from your testimony. What did your group think of this other metaverse user? How self-centered of you. The Phantom Thieves tamper with people's hearts without asking consent. How is that different? Well, no matter how you thought of them, there can be no doubting your resolve. Are those incidents because of you or someone else? Either way, I will get to the bottom of this. All right. Now, let's move on to your next crime. Kunikazu Okumura. You should know who he is, considering what happened. Your testimony regarding this incident will be serious. I'm sure you understand why. Answer my next question carefully. What did you do to this Okumura? Je pense que cela s'est pas très bien passé. Je sais pas pourquoi.